Check, check, check. Mic, 1, 2, 1, 2. So, guys, who's in the garage today? Let's find out. Ladies and gentlemen, the Olympic medalists. Juste derrière, est-ce que c'est Déborah Antonioz? Oui, c'est génial! C'est Déborah Antonioz qui va obtenir la médaille d'argent. Mais c'est incroyable, voilà quelle médaille française encore! Salut, bonjour et bienvenue sur le Pedred Garage. On a eu pas mal d'incidents. Malheureusement, je viens d'apprendre. I just learned that I got banned from Facebook Live. So we're live on Just Riders TV, which is totally fine because this is where we're supposed to be. We're live on YouTube as well, and we're live on LinkedIn and Twitter. Anyway, we're going to welcome today our guest is Déborah Antonioz. We're going to speak English and French because this is international, but we're going to speak French with our guest. She's from France, Léger. Déborah Antonioz, let me introduce her with a little portrait. Vous, Vancouver, la gétoise Sider s'empare de l'argent olympique. L'instant est magique. Oui, c'est génial! À son retour en France, le marathon médiatique est intense. Stade 2 la reçoit alors pour un passage remarqué. Elle n'hésite pas à prendre la tondeuse pour punir Paul-Henri Delerue, médaillé lui en 2006, qui ne croit pas en elle. T'as la patate ? Clin d'œil d'hier à aujourd'hui, cet épisode a rapproché les deux snowboarders. Bah, ça a bien poussé depuis. Hein. Regardez. D'ailleurs, ils sont un peu longs. On n'arrête pas de m'en parler, ça, tout le monde y a vu. Ouais. Et ça a vraiment fait du buzz et on m'en parle tous les jours. Quoi. C'est rigolo, alors qu'à l'origine c'était juste une petite blague entre nous. Une petite blague qui a fait des émules. Dans sa station, c'est bien Déborah qui reçoit et ça se voit. Autographe, pose photo, la championne est dans son élément. Même si les sponsors ne sont pas toujours au rendez-vous. Je fais que du snowboard et je me rends compte que ben voilà, c'est toujours assez difficile de vivre de ma passion. L'année dernière, j'étais obligée de travailler pendant toutes les périodes scolaires. Cette année, j'arrive à faire ma saison sans avoir à travailler. C'est toujours pas évident. Peu de nouveaux sponsors donc, mais un vrai rôle d'ambassadrice. Présente lors des pots d'accueil, sur les brochures ou en taille réelle, Déborah est omniprésente. Ah, je suis là, c'est moi, maintenant. Troisième des derniers X Games, la référence en snowboard cross, Déborah n'en finit plus d'étonner. Finaliste au jeu. Here we go, voilà, nous sommes live avec Déborah maintenant. Déborah, est-ce que tu m'entends? Je t'entends. Alors, on a un petit retour, je ne sais pas comment ça se fait, mais c'est pas très grave, on va régler tout ça. Déborah, you didn't change much, tu n'as pas changé. On vient de te voir, cette vidéo, elle date d'il y a 7 ans, je crois. Bah, les Jeux, ça fait 12 ans maintenant. La médaille, ouais, elle date ouais, d'il y a 12 ans. C'est une vidéo qui s'est faite après les Jeux. Bref, regardez-moi, la beauté naturelle de Déborah Antonioz. Devenue maman depuis d'un petit garçon, il y a quoi, 6 ans? 6 ans. Léo, alors est-ce que première question, Léo, est-ce qu'il fait du snow ou du ski? Bah, Léo, il fait du ski pour l'instant. J'aimerais bien le mettre, moi, sur un snowboard.
Et on n'a pas eu vraiment l'occasion l'année dernière. Il s'est blessé pendant les vacances de Noël. Et cette année, j'ai pas encore eu le temps, mais il va s'y mettre bientôt là. Alors, on a eu des petits soucis techniques avec le live. Malheureusement, normalement, on est en live sur Facebook. Il y a tout le monde qui vient. Là, pour le moment, on va juste enregistrer ce live et il va être vu en replay. Donc, voilà, je suis vraiment désolé. Et j'étais banni de Facebook depuis la semaine dernière. Je viens de m'en rendre compte seulement maintenant, mais ce n'est pas très grave. En fait. On va raconter un petit peu ton histoire. Où est-ce que tu es là, physiquement? Là, tout de suite, où je suis? Ouais. Là, je suis chez ma maman. Parce que c'est les vacances de février et que du coup, je travaille beaucoup en ce moment et j'avais besoin d'elle pour garder le petit justement, parce que lui, il est en vacances. Ah bah voilà. Donc, Déborah, elle s'occupe de lui. Il a été très malade cette semaine. Pardon. Il a été très malade cette semaine. Il n'a pas pu aller skier et il était très bien à la maison là, avec ma maman. Bon ben, c'est une histoire qui dure avec maman. On a connu Déborah, connu sur le circuit, Coupe de France, Championnat de France, Coupe du Monde, Coupe d'Europe avec Annie, ta maman. Qui était ton plus beau sponsor, mais qui était aussi la maman de nous tous un peu. C'était la maman, et tout le monde m'en parle encore de ma maman. Ah bah non, mais légende, Annie, les cœurs avec les doigts comme ça, énorme, une happy grandmother. Heureusement qu'elle a été là, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il n'y avait pas vraiment de structure et que moi, j'étais mineure. Il fallait bien m'emmener sur les courses et c'est elle qui s'y est collée. Voilà. Voilà. Déborah, pour refaire un petit peu le match, aujourd'hui, on fête les 12 ans d'une médaille d'argent qui a été décrochée à Vancouver dans une épreuve extraordinaire. On va en parler un petit peu après. La médaille, où est-ce qu'elle est en ce moment-là? Elle brille toujours? Alors, où est-ce qu'elle est? Ça, c'est une très bonne question. J'ai déménagé il n'y a pas si longtemps. Elle était dans un carton. Donc, elle doit être dans ma maison, dans un carton encore, au fin fond d'un carton. Mais je ne suis pas du genre à l'afficher au mur. Ouais, il paraîtrait. En revanche, il paraîtrait des oui-dire, des copains et des copines, de l'époque. Après 2010, tu te promenais, tu l'avais toujours sur toi, un petit peu comme porte-bonheur. C'est vrai ou c'est un mensonge? Ah non, non, non. Non, je l'ai jamais gardé sur moi. Non, pas sur toi, pas tout court. Non, elle est restée à la maison et voilà, elle est dans un carton depuis que je l'ai eue, depuis que je suis rentrée de Vancouver, elle est dans un carton. Avec tous mes souvenirs snowboard, mes autres médailles, et voilà. Alors, t'as une aventure un petit peu particulière avec la montagne. Tu es né, certes, dans les Alpes, mais très vite, maman t'a emmené du côté des Canaries. Donc, t'as pas tout le processus. Enfin, t'as commencé le ski à l'âge de 2 ans, mais tu n'as pas tout le background passif des hauts alpins ou des Savoyards ou des hauts Savoyards qui vont dans la Formule Club et qui tout de suite sont propulsés sur les toits de l'Olympe en compétition. Toi, t'as commencé très tardivement. Donc, t'as mis au club de ski, mais c'est pas très 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 fort, donc on a basculé du côté snowboard, c'est bien ça? Alors c'est presque comme ça que ça s'est passé. J'habitais donc je suis née en Haute-Savoie, je suis quand même originaire d'ici. Mon papa était en équipe de France quand il était jeune, il était moniteur, donc je suis montée comme tous les enfants du coin sur les skis. J'avais 2 ans et demi, quelque chose comme ça, et quand j'ai eu 7 ans, on est parti vivre aux Canaries, donc dans les îles. Plus de snowboard, terminé. J'ai lâché les skis. Et j'ai fait du windsurf à l'époque. Et quand je suis revenue, je devais avoir à peu près 13 ou 14 ans. Et j'étais un petit peu sauvage parce que je n'avais jamais été scolarisée. J'avais toujours fait des cours par correspondance que ma maman me faisait faire. Et du coup, elle m'a dit, tu vas aller... on était rentrés pour un hiver à Châtel. Et elle m'a dit, je vais t'inscrire au ski club histoire que tu te fasses un peu des amis et que tu sortes un peu de ton coin, quoi. Et puis, ils m'ont pas accepté au ski club. Elle m'a dit, c'est pas grave, tu vas faire du snowboard. Et le snowboard, on va dire que j'étais pas vraiment prédestinée à en faire. Et c'était pas vraiment une passion non plus, hein, le début. Quand j'ai commencé le snowboard, elle m'a pas vraiment laissé le choix. Elle m'a mis un snowboard au pied. Elle m'a dit, maintenant, tu vas me suivre. Tu te dépêches et tu te tais. Et voilà, je me rappelle que mon père, à l'époque, elle a plutôt bien fait. Effectivement. Ouais. Et mon père, à l'époque, il m'a quand même dit, ma pauvre fille, t'es vraiment pas douée, le snowboard, c'est pas pour toi. Waouh. Voilà. Wow. Eh ben, dis donc, papa, il doit manger ses mots. J'ai un esprit de contradiction. J'ai un esprit de contradiction. Et du coup,
On a une petite question parce que tu nous as parlé des Canaries, homeschool, etc. You were windsurfer. You did windsurf. I'm going to talk to you in English to just recap what you said. You were living in the Canaries and then you were a windsurfer. You could have a career as a windsurfer. Tu aurais pu avoir une carrière en windsurf. Non. Non, non, je t'assure que non. J'étais pas super douée. Anyway, donc tout de suite, tu as catch-up et ça t'a amené vers ce qu'on sait. Tu as commencé le snowboard par l'alpin. You started with alpine snowboarding. Tu as commencé par l'alpin. J'ai commencé par l'alpin parce qu'à l'époque, déjà, moi, je ne suis pas une freestyleuse vraiment dans l'âme et que c'était soit freestyle, soit alpin. Moi, j'étais à l'époque à Châtel et en fait, il y avait un snowboarder qui était là-bas qui avait été vice-champion du monde, il me semble. Et il est devenu mon entraîneur. Et puis du coup, lui, il avait fait de l'alpin. Et j'ai fait de l'alpin. C'est lui qui m'entraînait pendant des années. Et voilà, c'était top. Alors, à l'époque, l'alpin, en équipe de France, il y avait du lourd, il y avait du beau monde. Des noms comme Karine Ruby, Isabelle Blanc, il y avait Julie Pomagalski, avec qui on pense bien fort, évidemment. Il y avait une armada d'amis. Vous étiez une des meilleures nations en alpin et c'était difficile de faire son coup. Tu m'entends, Nabo ? Ouais, ça y est, je t'entends. Il y a eu un petit bug, mais c'est bon. No, I was talking to you. I'm going to say it in English. At that time, you were doing alpine snowboarding with the French team, and it was like a huge name, legend. Karine Ruby, Isabelle Blanc, Julie Pomagalski, Marie Lessu, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, comment t'as fait pour faire ton trou là-dedans? Alors, moi, j'avais vraiment un besoin de m'échapper de la maison. Et c'est vrai que le snowboard, je t'ai dit, c'était pas franchement une passion au début, mais j'ai quand même compris que j'étais douée et c'est pour ça que je me suis mis à fond et j'avais une revanche à prendre. Et je suis pas une vraie sportive, mais je suis vraiment une compétitrice dans l'âme. Et voilà, j'avais des crocs qui rayaient le plancher, j'étais hyper motivée, j'avais des choses à prouver. Et je pense que, ouais, en alpin, j'étais quand même beaucoup plus douée qu'en border cross. Si j'avais continué l'alpin, je pense que j'aurais pu avoir plus de médailles et une carrière peut-être plus remplie. Mais voilà, là, ça s'est fait comme ça. Le border cross, c'était plus fun. Mais j'étais quand même vraiment plus douée en alpin. Alors, on a vu dans le sujet qui a été diffusé en intro, il y a quelqu'un qui n'avait pas parié sur toi et c'est devenu un espèce de challenge. Quand tu as claqué ta médaille, je vous parlais de Polo Deleuil, qui a été médaillé de bronze, lui, aux Jeux Olympiques de Turin. Quelle était la phrase malheureuse qu'il a eu, malheureusement, qu'il a dite ? Polo. Alors, Polo, c'est une longue histoire avec Polo. Polo, il a eu sa médaille en 2006. Il nous en a parlé, il nous a saoulés avec sa médaille. Et personne ne pouvait comprendre parce que forcément, quand on n'a pas vécu ça, on ne comprend pas. Et il nous disait, mais vous vous rendez pas compte, c'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue. Et non, on ne comprenait pas. Et quand moi, j'ai eu ma médaille, il est venu me revoir. Alors déjà avant que je l'aie, il a dit le matin. Alors, je crois que c'était le matin de la course, il a dit non, mais... Il faisait des pronostics avec les autres garçons. Et Xav, il disait, moi, je sens bien Débo. Et Polo, il a dit, non, Débo, elle aura pas le mental. Elle aura pas de médaille. Si elle a une médaille, je me rase la tête. Aïe, aïe, aïe. C'est ça que tu voulais entendre. Ouais. Et la tête, elle s'est écrasée en live. C'est mieux que la tombe sur le poteau de Stade 2 avec Christian Choupin. Et hop là. Et du coup, dès que j'ai passé l'arrivée, je crois que c'est Xav qui est venu me dire que Polo avait dit ça. Et je lui ai dit, mais t'inquiète pas, ta petite tête, c'est moi qui vais m'en occuper. La belle histoire, incroyable. Alors, depuis OG, est-ce qu'il y a eu, mais est-ce qu'il y a toujours le border cross, Déborah Antonios, qui est toujours là, ou alors les années passent et ça devient compliqué de construire des border cross? Alors oui, le border cross, il est toujours là, il porte toujours mon nom, mais il n'est plus vraiment ce qu'il était, quoi. Ouais, il n'a pas été super entretenu ces derniers temps et c'est bien dommage.
Alors, 12 ans après, la médaille, malheureusement, elle est dans un carton. Il a fallu la sortir. Est-ce que toujours cette médaille vient rayonner un petit peu aux côtés de ton nom dans la station ? Je sais que tu es monitrice de ski, tu donnes des cours. Quelle est la tête, justement, des clients qui arrivent au cours le matin et qui découvrent que c'est Déborah Antonioz, médaille d'argent à Vancouver ? C'est assez rigolo parce que même 12 ans plus tard, j'ai des petits, ils étaient pas nés à l'époque. Mais c'est vrai que leurs parents leur ont dit et en général, ils me regardent, ils sont tout timides, ils ont des étoiles dans les yeux. Et pas plus tard que tout à l'heure, j'étais à la remise des médailles donc des élèves de mon groupe de cette semaine. Et tout le monde a fait des photos, ils étaient tous hyper impressionnés alors que voilà, j'étais juste leur monitrice. Enfin, j'ai fait mon job comme les autres l'auraient fait. Mais c'est vrai qu'ils me regardent un petit peu impressionnés. Des fois, ils n'osent même pas me parler. On vient de voir les images à l'instant. Est-ce que tu te souviens un petit peu de cette finale ? Je m'en souviens bien, ouais. Après, il y a plein d'images. Avant la finale, il y a eu une demi-finale avec une Française, Nadine Lecoz, qui malheureusement est restée sur le carreau. Mais on aurait pu avoir deux Français sur le podium. On n'aurait pas pu avoir deux Françaises sur le podium parce que c'était soit elle, soit moi qui passait en finale. Il y avait. Alors, attends, je ne me rappelle plus tellement de la demi-finale, mais il me semble qu'il y avait Lindsay qui était en tête. Et Nelly était deuxième. Moi, j'étais troisième et j'ai doublé Nelly au milieu du border. Ouais, mais non, mais je pense que Lindsay, elle était déjà loin. Elle avait pris le large. Au départ de la demi-finale, sur le papier, on aurait pu avoir deux Françaises avant que Lindsay Jacobellis, qui vient d'être sacrée championne olympique en individuel et en équipe. On y a cru, on a vibré. C'est-à-dire 2010, la finale dames, l'épreuve féminine du border cross était extraordinaire. Le border, il était mais surdimensionné par rapport au border cross. Est-ce que tu as suivi un peu les jeux là ? Absolument pas. Alors j'ai regardé la finale de Chloé quand même. Je l'ai regardé en replay, mais j'ai un peu honte de le dire, mais vraiment eu le temps de regarder les jeux. Maman, occupée, vacances de février, des cours de ski, fatiguée, et les horaires à la con, s'il te plaît. Et les 2 heures de route que tu rajoutes par jour, matin et soir, et du coup, j'ai le temps de rien. Bon, ben voilà. Bon, il y a eu du beau sport. On a eu la belle médaille d'argent de Chloé, avec enfin la médaille d'or de Lindsay Jacobellis. Est-ce que tu te rends compte quand même, même si tu n'as pas suivi, Déborah Antonioz, le nom Lindsay Jacobellis était avec toi au départ depuis longtemps. C'est-à-dire que tu aurais pu être au jeu. J'aurais pu, effectivement. C'est compliqué de faire une saison. Les gens ne se rendent pas compte, mais ce n'est pas une course à laquelle on participe une fois, on est qualifié au JO. C'est quasiment 2 ans de préparation. Oh, c'est même quasiment 4 ans de préparation. Je pense que quand tu termines une année olympique, tu penses déjà au suivant. Et c'est. Non, mais moi, quand j'ai arrêté, c'était vraiment temps que j'arrête. Hein. J'étais vraiment au bout du bout. Je suis allée puiser toutes les forces qui me restaient pour essayer d'aller à Sochi. J'étais blessée, ça s'est pas passé comme j'aurais aimé, mais non, j'aurais pas pu faire une saison de plus. Alors, on va revenir sur cette épopée 2006. On va quand même rappeler, Déborah, tu étais championne du monde junior en 97 en border cross. Est-ce que tu te souviens ? Tu étais du côté, je l'ai noté, bouge pas. 97, 96 aussi, je crois, je sais plus. T'as 96 eu deux titres, et 97, anyway. Anyway. Tu étais peut-être promu pour faire les Jeux de 98 à Nagano, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis cassé la cheville 15 jours avant. À l'époque, si je me rappelle bien, je devais avoir 17 ou 18 ans. Tout le monde me parlait de ces Jeux, les sélections, ça, c'était hyper compliqué. Et j'étais terrorisée et voilà. Je pense que c'est une cassure de fatigue, mais parce que j'avais pas la carrure pour assumer tout ça, quoi. Alors Nagano, l'arrivée du snowboard aux Jeux Olympiques, et là, une blonde avec deux nattes, Karine Ruby qui va remporter cette médaille d'or dans des conditions apocalyptiques avec Pierre Fula qui disait « Bienvenue à Nagano », c'était le brouillard complet.
des conditions de course absolument abominables. On va frapper cette Olympiade et on va arriver tout de suite à celle qui t'intéresse, 2006. Aux Jeux Olympiques de Turin, où là le border cross, après ta carrière en alpin, tu vas lâcher l'histoire et tu vas vraiment t'accrocher au snowboard cross. Tu tombes amoureuse de cette discipline qui est extraordinaire, quand même. Oui. Non ? Alors attends, moi le border cross, je suis venue à en faire un peu par hasard. Hein. C'était suite à ma blessure de 98 et j'ai été blessée pendant 4 ans. Pendant 4 ans, j'ai complètement arrêté le snowboard, j'ai passé mon diplôme de ski, j'ai fait des études de marketing qui m'ont servi à pas grand-chose d'ailleurs. Et je travaillais, vu que j'étais en sport-études, je travaillais à l'école de ski pendant l'hiver pour terminer mon diplôme et voilà. Et je faisais que du ski parce que le snowboard, ça me faisait vraiment trop mal à la cheville. J'avais eu beaucoup de problèmes à ma cheville ces 4 dernières années. J'avais complètement laissé tomber. Et puis, petit à petit, ils m'ont remis un peu sur un snowboard. Ils m'ont dit, allez, on t'a mis un cours. Il faut vraiment que tu nous dépannes. On n'a personne qui peut assurer ce cours. Et j'ai repris le snowboard un peu comme ça. Et en fin de saison, donc forcément, quand tu enseignes, j'étais en plaque et en coque. Et j'étais en board de freestyle, quoi, et en coque. Et en fin de saison, quand le club des sports partait faire les championnats de France, ils m'ont dit « Allez, viens essayer le border, on t'emmène. » Et du coup, je me suis dit « Allez, j'essaye. » Et je suis partie avec eux en border et voilà, ma carrière en border a commencé à ce moment-là. Mais un peu par hasard. J'étais pas forcément fan du border. Pardon ? J'ai trouvé ton premier titre de champion du monde junior, 97, c'est en Italie, à Corno all'Escale. Tu parlais d'une prestation, mais en tout cas, bravo. Et en 96, ta première participation en géant parallèle, un prix de français sur le podium, est-ce que tu te souviens ? C'était ta tigre, 1, 2 et 3, podium français avec Charlotte Bernard, Karine Rebus, Isabelle Blanc. Ça remonte, je ne m'en rappelais plus du tout. Ben voilà. Et donc, ton premier border cross en 2000 à Fourmeux, en Coupe de France, remporté par Morgane Fleury et troisième ligne du vote qui deviendra plus tard médaillé de bronze en Italie avec Karine Rubic, qui sera championne du monde. La première victoire en border cross, c'est Val d'Isère en Coupe de France. Là, tu dois t'en souvenir. Même pas. Je te jure, je m'en rappelle pas. Alors ta première victoire en Coupe du Monde à Kreisberg. Ça je me rappelle, à Kreisberg. Voilà, quand même, alléluia. Quand même. Voilà, et c'était tout ça à la veille des JO Turin, où le border cross va faire son apparition avec un drame absolu. Karine Ruby, tirage au sort, va prendre le dossard numéro 1. Mais le drame, c'est pas ça le drame. C'est ce qui va se passer derrière. Il va neiger des pizzas grosses comme ça. Et l'épreuve olympique tourne un fiasco général. Non, mais c'était une farce, ce border. Hein. On est arrivé sur le border le matin. Il y avait genre 30 cm de neige. On s'est dit, c'est pas possible, ça va être annulé. Et je me rappelle que j'avais même pas la pression. J'étais au départ des Jeux Olympiques. J'avais pas la pression parce que je me disais, c'est pas possible. Ça va pas courir dans ces conditions. Ils peuvent pas faire ça. Et puis, c'est parti. Dans 30 ou 40 cm de neige. Il ne fallait pas sortir de la trace. Non, mais c'était du n'importe quoi. Ben oui, tu pars avec l'autostart. Si tu ne dis pas de bêtises, tu auras un peu plus de chance parce que la trace a été faite. Karine Ruby, on pleure au pied de la cabine de France Télévisions, inconsolable. C'est la dernière fois qu'on la verra sur une épreuve olympique, malheureusement. Elle ira après chez elle en Coupe de France. Elle a remporté les championnats de France chez elle à Chamonix. Et après la suite, malheureusement, on la connaît avec un accident tragique en montagne. C'était en 2009. Ça date déjà, mais quelle était ta relation avec Karine Ruby? Moi, je m'entendais très bien avec Karine. J'ai habité avec elle pendant qu'on était à l'UIT à Annecy. Et on faisait de la colocation. On a fait, je crois, 2 ans de colocation. Et on s'entendait très, très bien. C'était ma grande copine. Écoute, je propose qu'on lui rende un petit hommage à cette vidéo. Oui. J'ai une petite vidéo. Évidemment, ce qui est terrible, c'est que derrière, Julie Pomagaski, malheureusement, nous a quittés. Je propose qu'on regarde. Ce n'est pas histoire de tirer la larme à l'œil, mais c'est de nous dire qu'il était une grande championne. Alors d'aujourd'hui, elle était encore invaincue jusqu'à il n'y a pas très longtemps avec plus de 80 victoires en Coupe, 60 victoires en Coupe du Monde et je ne sais pas, 126 podiums. Je propose qu'on regarde. Karine, regarde. Karine, regarde.
Tu peux commenter hein, si tu veux des points. C'est une séance photo incroyable avec la FS, avec le photographe Hervé Lewis. Alors moi, j'étais pas là pour cette séance photo, mais je t'avoue que j'ai pas, même pas reconnu Karine au début. Elle était sublime. Le photographe l'a complètement transcendée. C'est une belle femme, évidemment. Voilà les images de Nagano dans la neige, on en parlait tout à l'heure. La médaille d'or, la blondinette, va faire que le snowboard va sortir bien de l'inconnu. Ma belle-mère connaît le snowboard grâce à Karine, évidemment Chamoignard, et son retour, un peu comme toi, vous avez cette médaille, ça change son carrière, ça change beaucoup de choses. Voilà la Marseillaise qui avait chanté, puis alors après. Retour, on a décidé, la FS avait décidé de faire le championnat de France en plein cœur des Jeux Olympiques. C'était en 2002. Karine Ruby face à Isabelle Blanc. Karine qui perd un peu malade. Isabelle Blanc qui reprend sa revanche. La plus grande rivale de Karine, mais aussi un énorme respect entre ces deux athlètes. Médaille d'or pour Isabelle Blanc. Médaille d'argent. Karine. Championnat du monde, elle a gagné l'année. Je sais combien de médailles d'or. C'était en Italie, si elle n'a pas fini. Avec un nouveau défi de champion. Un peu la tolière quand elle a arrêté sa carrière en Allemagne, elle s'est dit moi je vais mettre le border cross en gros, il y a eu grabuge, Ouais, alors palmarès incroyable hein, Karine, c'est vraiment c'était vraiment notre exemple à tous. Voilà. Petite dédicace et clin d'œil à Karine, une grosse pensée à sa maman, à sa famille, à tous ses proches. Elle nous manque évidemment, quand on parle du départ de Karine, j'ai été abattu par évidemment le départ également de Julie. Ce sourire incroyable, Julie Pomagaski. Cette montagne, on l'aime des beaux et on la déteste en même temps. Ouais, moi, j'ai tellement peur en montagne que je ne fais plus de freeride du tout. Hein. Ouais. Il faut faire attention, disons, mais bon, le risque zéro n'existe pas. Voilà, une grosse pensée à Juju, notre Juju Pomagaski national, que j'embrasse bien fort. Allez, on va repartir maintenant sur ton histoire. Donc, 2006, le cauchemar, mais quand même, il a tiré ton épingle du jeu, parce que si tu fais bêtises, tu vas terminer quoi en 2006? Dixième, je crois. Dixième, donc tu te fais éjecter en quart de finale. Il me semble que je sors au premier tour. Donc 2006 à Turin, moi j'avais le bras dans le plâtre en fait, à ce moment-là. Mais voilà. T'as vachement de chance, hein, toi. Je crois que j'ai du mal à supporter la pression en fait. Moi j'ai eu des gros problèmes à gérer le stress. Parce que si j'avais eu la tête dès le début, je sais que j'aurais pu faire beaucoup plus de choses. Mais voilà. Là, Turin, deux mois avant. Sur une Coupe du Monde, j'étais leader de la Coupe du Monde d'ailleurs, et je me casse le bras, et à Turin, j'avais encore le plâtre. J'ai eu l'autorisation médicale de pouvoir courir et de pouvoir participer le lendemain à la course à 20h la veille. D'accord. Voilà. On a une petite surprise qui va arriver, on a un invité qui vient de rentrer dans le studio, je vais le garder encore un peu sous le coude. Je te donne un petit indice, il nous vient d'Isola de Lille, le sud de la France, et il va nous faire un petit coucou un peu plus tard. Anyway, 2010, on arrive du côté de Vancouver, et là, c'est la médaille. Je propose qu'on regarde et qu'on revive cette finale ensemble. Déborah, c'est un peu tout seul là, j'ai l'impression, il n'y a personne avec moi, Déborah. Non. Regarde. Effectivement. Olivia Noble, elle a trois filles derrière elle. Maëlle Ricker, la Canadienne, elle a son coach derrière elle. C'est la finale, hein. Et derrière, à droite, il va y avoir Olivia Noble qui fait pas de bêtises. Non, c'est Olafsen, la petite Norvégienne, la jeune Norvégienne. Go Canada! Et Go Canada, je rappelle que nous sommes à Vancouver. Maëlle Ricker, Peter Rigastar, dans son pays. Un départ qui part en quatrième place avec l'équipe qui pose un peu de problème. Je te laisse commenter cette fois. Ouais, alors moi, ça fait une éternité que j'ai pas vu ces images. Je savais que j'allais partir dernière. Moi, je suis vraiment pas la reine des stars, je le savais. J'étais préparée à ça. Et je voulais juste faire une course intelligente et pas aller me mettre dans les filets au deuxième virage comme j'avais l'habitude de le faire. Là, on l'a pas en entier, la course. Mais voilà, mon objectif, c'était de les pousser un peu à la faute, de les... J'étais juste derrière, il me semble que c'était Olivia.
et de lui coller un peu aux fesses. Et j'avais prévu la doubler sur le bas du parcours. Et du coup, au moment où elle tombe, moi, je m'étais déjà décalée pour la doubler à la sortie de ce virage-là. Et en fait, elle tombe. Et vu que je m'étais décalée, j'ai réussi à passer sans la percuter, quoi. On voit ici à l'image. Ouais. Donc là, tu es en quatrième place en embuscade. Là, je suis toujours en quatrième place. Olafsson. Qui va chuter malheureusement. Tu as fini t'emmener au tapis. Heureusement, tu as été solide sur les cannes sur ta carte backside. Et Olafsson qui malheureusement sera condamné. Alors qu'à ce moment-là, était médaille de bronze. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Là, à ce moment-là. Il faut pas tomber. J'ai été abonnée moi au quatrième place tout au long de ma carrière et je t'avoue que quand je remontais sur le télésiège pour la finale, j'avais déjà les larmes aux yeux en me disant c'est un rêve qui était tellement inaccessible et que là je l'ai au bout des doigts et il faut pas que je fasse ma débo quoi. Faut pas que j'aille me mettre dans les filets, faut vraiment que voilà. Et donc, quand je me retrouve troisième, à ce moment-là, je me dis juste, je ne vais pas forcément aller chercher les autres, mais il faut que je tienne debout, il faut que je sois solide. Et je gère un peu, je ralentis un peu, mais il ne faut pas trop ralentir. Enfin voilà, j'étais un peu en panique à ce moment-là, parce que je me dis, il ne faut vraiment pas que je tombe maintenant. Quoi. Oh my God, incroyable. Voilà. Deborah Antonio, we just watched the final of her Olympics. You brought her still the medal. And such a big souvenir with two sports, and then she in third position, you grabbed the freaking silver medal. Incroyable! J'étais au commentaire, j'ai jeté le casque. Quand on te voit arriver, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas vu un petit peu. C'est un petit peu l'image de Polo en fait, cette médaille. Alors, je me rappelle pas du tout de la finale de Polo, moi. Ben, pareil, ça tombe. Alors, ah ouais, je ne sais pas, je peux pas te la montrer là maintenant. Mais pareil, ça tombe et c'est Polo qui va se relever. Alors, lui, il a eu moins de chance que toi. Hein. Enfin, toi, tu es allé chercher ta troisième, mais tu vas aller chercher ta médaille d'argent. Alors que Polo, lui, il arrive, c'est le dernier à se relever. Avec Jordi Font, etc. Anyway, incroyable. Et puis, alors, on bat tout de suite sur la remise des médailles. Avec Maël et Pierre Bonfanté. Dis-moi, Maëlle, elle a le bonnet bleu, blanc, rouge. Tu lui as donné ton bonnet ou quoi? T'es sûr qu'elle a un bonnet bleu, blanc, rouge? Ah ouais, regarde, le bonnet, il est bleu. Bleu, blanc, rouge. Pourquoi il y a du bleu sur son bonnet? Je comprends pas. Je sais pas du tout. Et moi, j'ai jamais vu ces images-là. Faudra vraiment que tu me les laisses. Hein. Je te les envoie, Maëlle. La médaille de bronze, et voici la médaille d'argent. J'ai tellement d'émotions de ce moment pendant... Je vivais que pour ça pendant 4 ans. Et la médaille d'or pour Maëlle, et qui était méga star dans son pays, évidemment, qui a raidé le plomb, qui a mené d'une main de maître le All Top et qui a gagné cette médaille d'or. Évidemment, on s'en fout de la médaille d'or de Maëlle Ricœur. C'est la médaille d'argent qui nous a porté en bon français qui somme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu as pris un coup de massue là? Parce que là, le monde entier voit cette image. Je pense que je ne réalisais pas encore. J'ai rêvé de ce moment et je me voyais sur le podium parce que forcément pendant 4 ans j'ai rêvé de ça, j'ai visualisé ce moment-là pour me préparer au mieux pour ces jeux. Et sur le podium je me voyais pleurer, je me voyais plein d'émotions et là je suis restée stoïque. Et en fait c'était tellement d'émotions d'un coup qu'il n'y a rien qui est sorti quoi. Je réalisais pas. C'est après le podium, le soir, où... Donc je suis pas après ce podium, avoir récupéré la médaille, on est parti faire la bringue avec Polo. Et quand je suis rentrée de la bringue, je me rappelle, il était 6h du matin et on s'est arrêté dans un petit café. Attends, on veut pas tous les détails. Il y avait les images de mon podium qui passaient à la télé et c'est là que je me suis mise à pleurer comme une madeleine. Oh. Voilà. Écoute, j'ai une petite surprise pour toi. Oui. Pour fêter tes 12 ans, une des légendes du snowboard, celui qui a 3550 milliards d'heures à l'appel dans ses mains, qui a chépé les borders de Coupe d'Europe et de Coupe du Monde, il nous vient tout droit d'Isola 2000. Il est venu dans le garage. C'était un des garagistes. Je propose qu'on l'accueille. Monsieur François. Olivier, bonjour. Bonjour. Hello. Ça va, François? Oui, toi? Ouais, nickel.
Il manque de bronzage, je trouve. on a beaucoup de soleil cet hiver. Moi, je suis toute blanche à côté. Vous n'êtes pas vu depuis combien de temps, les amis, là ? Ah, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Hein. Moi, ouais. je le suis un peu sur Facebook. Voilà. Ouais, il fait beaucoup de choses dans la montagne en ce moment. Bon, François, elle n'a pas regardé le Border Cross. Mais le Border Cross a bien changé depuis, notamment autant au niveau du tracé qu'au niveau des tenues. Déborah, je ne sais pas si tu as vu une photo de Chloé. On dirait qu'elle est. C'est bonne, quoi. Elle a une combinaison de descente. Ouais. Nous, on s'est battus pendant des années pour que, ben voilà, on puisse garder nos pantalons, pour qu'on ne ressemble pas à des alpins en combi. Et là, c'est vrai que quand j'ai vu les tenues, j'ai pas trouvé ça super joli, mais bon, écoute. Bon, c'est sexy, c'est l'évolution. On te voit plus, mon François, il faut que tu mettes dans la lumière, mon loulou. Le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de réseau à Isola. Voilà, là, on te voit. Là, on te voit. Le beau gosse d'Isola des Nuits. Qu'est-ce qui dit le choix, justement, par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as pensé de ce tracé? Parce que magnifique, hein, les filles ont raidé le plan. On ne va pas parler de l'épreuve par équipe qui a été un problème. Mais elles ont raidé très, très fort. Mais on se faisait chier, quoi. En fait, c'est suite aux derniers Jeux Olympiques où il y a eu un peu trop de blessés en ski cross qu'ils ont décidé d'aseptiser les parcours et que ça saute moins. Mais c'est vrai que du temps de Déborah, ça sautait beaucoup plus. On voit les JO de Vancouver, ça sautait. Moi, à l'époque où je construisais, il y avait Xavier qui m'insultait tous les matins si le border, il n'y avait pas assez de saut et si ça montait pas assez haut. Parce qu'il voulait surtout pas que décider puisse passer correctement. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage. Mais c'était un peu la condition pour que le border reste aux Jeux Olympiques, je pense. Il ne voulait surtout pas qu'il y ait autant de blessés que les derniers jeux. Bon, qu'est-ce que tu dis à Déborah, 12 ans, cette médaille? On sait plus loin comme tu disais. Revive les émotions. Déborah, je pense que je l'ai connue, elle était toute petite. Je pense que c'est à des championnats de France à Arboria, dans les années 95-96, où elle débarquait dans le snowboard, elle commençait à courir. Après, je l'ai retrouvée sur les bordeurs de Coupe du Monde, et ça a toujours été un plaisir. Et toujours un plaisir de rencontrer tous les Français qui sont sur les bordeurs. Et j'ai eu beaucoup de bonheur à être avec eux, avec Karine aussi. Karine, je l'ai retrouvée aussi. Toutes les filles, il y avait un team de fou au niveau des filles. Et Déborah, c'était une grande coupeuse de virages. Bon, ben voilà. François Olivier, the legend, one of the first generation of being a snowboard legend with Jean Nerva, with Jean-Philippe Garcia, with Gilles Becker, with all those guys. Big respect to you. Et la fête, on l'a fait ou pas, Isola 2000? Ouais, on va essayer de faire ça, ouais. J'espère qu'il. Am I invited? Est-ce que je suis invité ou pas? J'habite à plein de 900 km, donc j'aimerais bien être là. Ouais, je sais. Je te tiens au courant. Faut le prévenir un peu avant. On va te laisser tranquille. Est-ce que tu invites Débo? Hein? Est-ce que Débo est invité? Bien sûr. Tu m'invites, hein? Ouais, bien sûr. Mon François, on te fait des gros bisous. Tu peux nous dire un petit message ou pas? Par rapport à la fête, par exemple. On est une grande nation de border. On va le rester. Il y a quelques jeunes filles qui arrivent aussi dans les cadettes qui vont faire fort. Les garçons, ils sont en apprentissage et Merlin, il n'est pas loin. Et je pense, malgré ce qui s'est dit sur certains réseaux, je pense que l'équipe, elle est vraiment soudée. Je les vois souvent. Et il y a une bonne synergie et je pense que ça va faire. Déborah, est-ce que tu es au courant de la polémique qu'il y a eu sur l'épreuve de border par équipe où il y a eu un énorme problème de partage et un mea culpa de l'équipe de France et des Technos où ils ont dit pardon aux athlètes? Oui, et je trouve que c'est bien qu'ils s'excusent. Après, ça arrive, quoi. Les techniciens, ils font ce qu'ils peuvent et c'est déjà un boulot qui n'est pas forcément rigolo. Là, les conditions, apparemment, c'était quand même très, très compliqué. Et voilà, et ça arrive malheureusement. Alors là, c'est pas arrivé au bon moment sur la bonne épreuve, mais
Bah, c'est des neige artificielle, il va neiger pendant la nuit, mais pas grand-chose. Donc, ça, un terrain de jeu qui est complètement changeant et changé. Ça peut être un problème pour les Italiens avec Maioli qui fusait, mais comme une balle. Ce qui est un peu chiant quand même dans toutes ces problématiques, c'est ces gens-là, ils ont vraiment un job de merde. C'est-à-dire que quand ça gagne, il reste des gens de l'ombre et ils font la fête en petit comité, on les met pas trop en avant non plus. En revanche, quand ça perd, on sort le fusil, on tire dessus. Donc c'est un peu dur pour eux, malheureusement. L'erreur, elle a été faite, c'est une certitude. On aurait pu avoir des médailles, parce que les filles ont raidé le plomb. Et pas que les filles, les mecs aussi. Après, moi, tous les derniers boarders que j'ai regardés, je trouve pas ça très joli. Et je trouve qu'il n'y a plus des boarders techniques comme on pouvait avoir à l'époque, où techniquement, t'arrives, si vraiment t'es au-dessus du lot, même si t'as... t'as pas le meilleur des farts, tu peux arriver à sortir ton épingle du jeu, quoi. C'est vraiment sur la glisse et c'est pas, je trouve que c'est plus assez technique. Qu'est-ce qu'il en dit de toi? Quand je faisais les borders, j'avais souvent mes discussions avec Xavier, avec les coureurs, à savoir si dans un border il fallait freiner. Et il faut être juste, je pense qu'il faut être juste à la limite de devoir freiner pour que ça soit technique. Là maintenant, ils font qu'essayer d'accélérer et je pense que c'est pas la bonne solution. Si on prend l'exemple de Pierre Voltier, double médaillé d'or, la stratégie de Pierre Voltier, pour l'avoir vu plusieurs fois en interview, lui, il adorait les départs, mais sur cette dernière année, vu qu'il était blessé, il était tout à la spi. Le gars, il adorait partir derrière, pomper à la spi et niquer tout le monde, tout à la technique. On connaît la grandeur et la taille de Ferro. Il avait un énorme levier au niveau du haut du corps et du bas des jambes. Et il le disait, moi, il adorait, c'était beaucoup plus fun pour lui de partir derrière et d'aller les chercher à la ski parce que justement, ce que disait Déborah, l'aspect technique est bien prévalait sur la glisse. Pierre, il faisait souvent ça, c'est culotté quand même. Et voilà, et je trouve que c'est dommage d'en arriver là où ouais, on a des boarders qui sont plus assez techniques à mon goût. Bon ben voilà. Et puis là même à l'aspi ça marche pas parce que ça va pas assez vite en fait. Ouais. Donc ça va tellement pas vite que même l'aspi on te voit plus hein mon choix, t'es parti dans le noir. Mais j'ai pas de réseau à Isola donc je suis sur le balcon comme un pauvre malheureux. Bon, je crois qu'on va réouvrir cette discussion avec beaucoup plus de monde. François, on fait des gros bisous. Allez bisous. On se retrouve à Isola 2000 et puis je vais continuer la discussion avec l'ami, si on a encore plein de choses à se dire. À bientôt, salut. Allez, François. À bientôt. Ciao. Salut, bon choix. Voilà, petite discussion sympathique. C'est sympa de revoir François-Olivier. Ça fait un bail que je ne l'ai pas eu. Regarde, puisqu'on parle de border cross, ici j'ai une petite surprise à te montrer. Je sais pas si ça va marcher. Regarde ce que j'ai trouvé. Il n'est pas trop mignon ce petit là. Il fait du border cross. Il est méchant, regarde. Alors lui, il n'a pas de problème de glisse. Hein. Trop mignon. T'as un chat à la maison ou des animaux? Non. Ah voilà. Non, je peux pas avoir d'animal. Je suis jamais là. Voilà, petit clin d'œil à toutes ces fous fans folles de border cross. On va faire une dédicace à un des garagistes qui t'attendait, mais comme le Messi dans le garage, Hervé Berco qui va regarder ça avec grande passion. Salut Hervé. Un garage un petit peu spécial, d'habitude il y a tout le monde qui interagit, et là il est enregistré, il sera en live sur, demain, je pense, sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Écoute, ça fait maintenant 43 minutes, je sais que tu es une maman, on a un petit peu parlé de tout. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce que du coup, il t'arrive de temps en temps, je sais que tu fais du snowboard pour donner des cours, mais est-ce que tu vas faire du snow pour le fun? Alors, je ne donne pas seulement des cours. Hein. Je travaille maintenant depuis 5 ou 6 ans à l'ENSA. Je m'occupe de la formation des futurs moniteurs. Et là, je ride beaucoup quand je suis à l'ENSA. Et alors, pour moi, j'y vais rarement quand même. Hein. Mais à l'ENSA, ça ride quand même pas mal. Et c'est un beau challenge. Et j'adore ce que je fais. Et c'est vraiment chouette.
On va saluer également Tony Ramoy. On parlait d'Isola 2000 avec François-Olivier. Tony Ramoy qui avait fait la médaille la veille de tes jeux, avec une belle médaille de bronze. Tony, que j'embrasse bien fort, qui est du côté d'Isola 2000, évidemment. Et puis, il y a toute la clique, les Limoëlles locaux, évidemment. J'ai essayé de l'avoir dans le garage. Elle me dit, Pédrette, moi, ça me tamponne ces histoires de trucs-là. Je m'en fous. Tu fais des gros bisous à ma débo. Tu me dis que j'appelle. Elle changera jamais. Le petit grognon. Ça m'aurait fait plaisir de voir Polo et Noël. Ah ben voilà. J'ai tenté. Qu'on pas... Il y a Chloé Trespoche qui fait des gros bisous également. Chloé qui revient de Chine, qui me dit Pédrette, j'adorerais, je vais regarder ça en replay, mais le problème, c'est que j'ai pas arrêté, ça fait un mois que je suis parti. Elle doit avoir un emploi du temps de dingue, là. Voilà, et en plus, avec la médaille, même si vendredi, je vais être au dodo à 7h du soir. Donc voilà, on fait des gros bisous à Chloé Trespoche qui a remporté cette médaille d'argent sur l'épreuve de Beijing, donc à Pékin, et qui nous fait grand plaisir, mais aussi dédicace à toutes les filles, Julia, Manon. Voilà, je fais un gros bisou à tout le monde et félicitations à Chloé parce que c'est génial, tu nous as fait vibrer et c'est top, t'es trop forte. Bon bah voilà. Un bisou. Débo, c'est quoi la suite pour toi ? Un gros dodo ce soir. Là, je vais terminer les vacances de février. Je suis à l'école de ski en ce moment, donc il y a du taf, il y a du boulot. On n'a pas vraiment un temps qui est top en France là en ce moment. Donc, c'est pas forcément facile. Je repars à l'ENSA à la fin des vacances, je crois, au début du mois de mars. Je m'occupe de mon petit loulou. J'ai hâte de cet été parce que là, je ne l'ai pas beaucoup vu cet hiver. Et du coup, je vais m'occuper de lui pendant tout l'été. J'ai choisi ce style de vie, en fait, par rapport à lui. Et c'est vrai qu'à la base, je me voyais pas forcément continuer à enseigner le snowboard et à l'école de ski. Et puis finalement, j'y trouve mon compte parce que ça me permet d'avoir des hivers qui sont vraiment bien remplis et de pouvoir prendre tout l'été pour me consacrer à lui. Bon ben voilà, donc, moi on fait des gros bisous à Léo en tout cas. Mais le vide sur un snowboard, ma belle, on ne sait jamais. Sur un malentendu, regarde-toi. Les Canaries, 14 ans, ski club, bim bam boum, ça marche pas. Enfin, lui, c'est pas vraiment un compétiteur. Hein. J'imagine pas qu'il va faire une carrière, mais écoute, on sait jamais. La dernière fois que quelqu'un a parlé comme ça, il s'appelle Polo Delerue, il s'est retrouvé sur Squad 2 et on lui a rasé les cheveux. Donc si jamais Léo claque une médaille, j'aurais du mal à te raser la tête tellement que t'es jolie. T'as pas changé, Badébois. Je tiens à te le dire. Vraiment, voilà. Tu fais des gros bisous à ta maman. On vient d'accrocher. On s'approche de la fin de ce programme. À Annie, qu'on embrasse tous bien fort. Toutes celles et ceux qui étaient sur l'équipe de France se souviennent de ta maman, évidemment. On te fait des gros bisous. Tu remercies aussi ton frère pour la technique, Théo. Et on se retrouve à très vite sur Riders TV. Si tu veux télécharger l'application, je t'enverrai le lien. Il y a un certain monsieur qui s'appelle Lair d'Hamilton, un beau mec, qui a plus de 50 balais, qui est un des plus grands watermen que la Terre n'ait jamais porté. On a passé 24 heures chez lui et on va se quitter avec ces images. Lair d'Hamilton, tu connais ? Oui. Bah voilà. Bon, pas personnellement, hein, mais oui, je le connais. Je t'envoie son 06. Je te fais des gros bisous, ma belle. On se retrouve très vite sur la neige ou à Isola 2000 pour les 50 ans. C'était donc Déborah Antonios dans le garage ce soir. Déborah Antonios, thank you so much. À bientôt. Et à bientôt. On se quitte avec une image de l'air de l'Hamilton sur Riders TV. That's for the drinks. That's for you. That's for the drinks. This is l'air de l'Hamilton. I was inspired young. I mean, I lived at Pipeline and I had all the best surfers in the world coming through my house. We created a bunch of exercises, okay? So this one's called Ammo Box. You always need to be prepared for the worst. Okay, now slide forward and dip your head and get out. You know, I needed a dad and he resembled what I hoped my dad would look like. Great surfer, handsome. Robbie's route is windsurfing. So he was more wind-based than surf-based. And comparing Kai and I, it's like comparing a heavyweight boxer with a lightweight boxer. The wave of the millennium changed everything. That wave was undebatable. The technique actually kind of creates spots. That wave was a toe-in wave. No one can do you better than you. Hey guys, it's Laird Hamilton. Welcome to my house in Malibu. It's time for Total Freestyle.